projeter les hirondelles de Kaboul. On a un peu de suite dans les idées. On va d'abord vous jouer un petit air de flûte. Hier soir, nous avons regardé ensemble ce film « Les hirondelles de Kaboul », qui est un film évidemment touchant, poignant, qui montre aussi les dérives possibles des religions. Et nous avons parlé d'une petite association qui s'appelle « Aimer », qui soutient les enfants des rues, notamment à Kaboul. Donc, ayant un petit peu de suite dans les idées, j'ai retrouvé au fond de mon sac le bulletin de l'association « Aimer », qui aide au parrainage. Bon, vous regarderez, c'est plutôt pour distribuer autour de vous, pour que vous ayez quelques nouvelles un peu précises de ce qui se passe là-bas, et une façon très très simple et très, très modeste aussi d'aider les enfants à travers le monde. Cette association Aimer soutient 25 projets, 26 projets dans 15 pays. Oui, un ou plusieurs, vous pouvez donner autour de vous, mettre au fond de la paroisse, oui, pour l'école. Voilà. C'est comme ça qu'on fait connaître les petits ruisseaux, font les grandes rivières. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour surtout à Sarah qui nous rejoint ce matin pour la deuxième intervention de la matinée. Le programme est bien engagé maintenant, dans cette section 3 de notre colloque. Alors, tous les ans, on a l'habitude de donner la parole à des doctorants, à l'un ou l'autre doctorant. Donc, cette année, évidemment, comme nous étions en situation de confinement, les places étaient chères. Et donc, le brillant élu, c'est Siméon. Voilà. J'espère que quand on reviendra à la normale, on pourra avoir plus de doctorants. C'était quand même notre tradition, Claude, depuis le début, d'accueillir des travaux méritants de gens qui sont partis aussi aux quatre coins du monde. Je me souviens des premiers doctorants. Un est rentré en Inde, il revient avec nous. L'autre est au Burundi, etc. etc. Voilà. Donc, en fait, la première partie consacrera plus le lien aussi un peu avec Lévinas sur le rapport au judaïsme par un philosophe contemporain, Michael Weiser, un des philosophes les plus commentés dans le monde actuellement. Et puis la deuxième partie sera aussi en résonance avec aussi des travaux d'hier, avec l'intervention depuis Bucarest de Julian Danca, puisque ça sera consacré à l'orientalisme. En espérant, on verra bien, quand Antoine va arriver, avoir peut-être aussi le temps d'un petit dialogue à deux voix avec Sarah, qui nous présentera la figure vraiment très, très, très importante de Massignon, sachant aussi qu'on est dans des redécouvertes de figures comme celle-là, et que Claude en est témoin. On a failli avoir en conférence publique Bérangère Massignon. Ouais. On l'avait sollicité, ouais. Donc c'est pour ça qu'il est important. C'est juste 3 jours avant qu'elle ait... Voilà. Elle a pu, malheureusement, elle n'a pas pu orienter, honorer la commande qui lui avait été faite. Voilà, donc d'abord, parole à toi. Donc, tu es doctorant à l'Institut catholique de Paris, en philosophie, tu es togolais, expérience internationale. On participait ensemble à un colloque aussi à Ouagadougou l'année dernière. Les circonstances font que ce n'est pas forcément facile de rentrer dans son pays en ce moment. Tu es rédemptoriste, voilà. Puis après notre intervention, tu nous as dit que tu partais au Luxembourg, c'est moins loin que le Togo, pour soutenir les communautés sur place. Le froid.
Voilà, Oui, on te donne effectivement. la parole, Siméon. Merci. Merci. Je commence par dire merci à l'Académie de Val de Seine. Merci de me donner cette opportunité et je voudrais remercier particulièrement mon maître qui ne rate pas des occasions pour me tester. Et moi, je crois que pour un exercice académique, pour la formation doctorale, je crois qu'on ne peut pas demander mieux. Donc, merci à tous et merci au père Jean-François. Alors, ma petite intervention, je l'ai intitulée « Michael Walzer et la Bible hébraïque ». Dans les colonnes du journal Le Monde du 6 mars 2020, apparaît la recension d'un livre d'entretien intitulé « Penser la justice ». À propos de ce livre, Nicolas Veil écrit « Ce livre d'entretien « Penser la justice » permet de retracer l'itinéraire intellectuel d'un philosophe américain qui se trouve rarement où on l'attend. De qui s'agit-il et de quoi parle-t-il? Nicolas Veil ne se contente pas de révéler aussitôt qu'il s'agit de Michael Walzer. Il ajoute « Michael Walzer ou la Bible ou la gauche biblique ?»« Michael Walzer ou la gauche biblique ?» Tel est d'ailleurs le titre de sa recension du dernier ouvrage du théoricien reconnu de l'égalité complexe « Penser la justice » paru seulement en janvier 2020. Né dans le Bronx en 1935, Michael Walzer, ce professeur émérite de sciences politiques à l'Institute of Advanced Study de Princeton, co-éditeur de Dissent, la célèbre revue de la gauche américaine, est considéré aujourd'hui à travers le monde comme l'un des plus grands philosophes politiques vivants, comme on le disait il y a quelques années pour John Rawls. Le nom de Walzer rime aujourd'hui avec égalité complexe, universalisme réitératif, communautarisme ou encore libéral communautarien. En effet, la plupart des travaux qui lui sont consacrés portent précisément sur la justice sociale, le multiculturalisme, la tolérance, le communautarisme ou encore la citoyenneté. Rares sont les travaux en philosophie de la religion qui font explicitement mention de Michael Walzer. Pourtant, comme l'a bien vu Jean-Paul Maréchal, ce libéral communautarien est à la fois philosophe et théologien. Walzer lui-même écrit « J'ai donné aussi un cours de Bible, Bible Politics, à la New School à New York au début des années 90. C'est alors que j'ai écrit la majeure partie de ce qui allait devenir le livre intitulé « Dans l'ombre de Dieu, la Bible et la politique » paru en 2012. Cet ouvrage dans lequel Walzer livre son interprétation, entre autres, des textes de l'Alliance, des codes de la loi, de l'exil, des prophètes et de leur public, s'inscrit dans la logique de ses réflexions sur les textes bibliques initiés quelques années plus tôt. Un regard rapide sur l'ensemble des œuvres de Walzer laisse apparaître le constat suivant. Si pour de nombreux auteurs, comme Gérard Ben Soussam, rationalité philosophique et pensée juive constituent deux traditions de pensée originellement étrangères l'une de l'autre, Michael Walzer prouve le contraire. Loin de placer la philosophie et la pensée juive sous les signes de l'opposition, Walzer fait de la tradition juive la matrice de sa philosophie. Bien plus, le défenseur du pluralisme, autre qualificatif qu'il se donne lui-même, n'hésite pas à installer la quasi-totalité de son œuvre dans l'examen des Écritures, la Bible reçue par les Juifs et aussi par les chrétiens comme la parole de Dieu. Nicolas Veil ne fait pas de doute. Pour lui, Walzer a le souci d'ancrer le progressisme dans des sources bibliques. Le rapport de Walzer à la Bible hébraïque mérite alors d'être questionné dans la mesure où celui-ci se définit par rapport à la religion judaïque comme un juif laïque non-croyant. Alors on doit se demander, quel rapport ce juif laïque qui déclare « je ne suis pas croyant » entretient-il avec la Bible? Certains auteurs ont parlé d'influence. Nous faisons le choix de parler plutôt d'enracinement. Le premier point, je l'intitule « Michael Walzer enraciné dans le judaïsme ».
Michael Walzer, enraciné dans le judaïsme, c'est l'expression qui pourrait traduire au mieux le rapport de ce philosophe au judaïsme. D'après Simone Weil, à qui nous empruntons ce terme, l'enracinement fait partie des besoins essentiels de l'homme. En effet, Simone Weil écrit, je cite, l'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être a besoin d'avoir des racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Avant de regarder davantage cette citation, je souligne qu'il convient de faire remarquer que ce terme d'enracinement est d'abord un emprunt au registre de la botanique. En effet, une racine est l'organe généralement souterrain des plantes vasculaires qui les fixe au sol et leur permet de puiser de l'eau dans leur milieu et les éléments nutritifs qui sont nécessaires à leur croissance et à leur subsistance. Ainsi, le choix du terme enracinement souligne l'importance pour l'homme de trouver un milieu nourricier dans lequel il va pouvoir trouver les éléments nécessaires à sa vie. Ce milieu est la communauté, ou plutôt l'enchâssement de communautés multiples, comme diraient les communautariens, tels que la nation, la religion, l'ethnie, le clan, la famille, auquel un homme ou une femme appartient. Mais pour être enraciné, l'homme doit appartenir à une communauté consciente de son passé et soucieuse de transmettre ce passé de génération en génération. Cela étant, Michael Walzer appartient d'abord à la communauté juive, seulement ensuite à la société américaine. Premier-né d'une fratrie de deux enfants, j'ai grandi, écrit-il, dans une communauté juive des États-Unis. Mais j'ai certainement toujours eu le sentiment profond d'être un juif en Amérique. Fin de citation. Né aux États-Unis de parents déjà américains de naissance, Walzer, tout en se faisant le chantre de cette nation comme modèle réussi de la tolérance dans toute l'histoire de la diaspora juive, s'y reconnaît simplement comme un autre, un invité, c'est lui qui le dit. Cela revient à dire que Walzer est solidement attaché au judaïsme. Par judaïsme, pour faire bref, il faut entendre ici la culture et la religion juive structurée autour de la Torah. Si nous regardons sa vie en général, on va redire encore que celui que l'on présente assez souvent comme un philosophe américain est aussi, et selon certains de ses écrits, d'abord un philosophe juif, fils de parents juifs et élevé dans la religion judaïque. Conformément à la tradition juive, le jeune Walzer reçoit une éducation religieuse et fait sa première bar mitzvah. C'est la cérémonie religieuse par laquelle le jeune garçon, à 13 ans et un jour, devient adulte au regard de la loi juive. Il écrit « J'ai fait ma bar mitzvah en 1948, l'année de la création d'Israël. Qui tissa ? La paracha que je devais lire raconte l'histoire du veau d'or. Ce passage, ajoute-t-il, a été une lecture fondamentale pour mes travaux futurs, car elle aura marqué le début d'une longue étude de la signification de l'Exode. En 2018, alors qu'il atteignait l'âge de 83 ans, Michael Walzer, par fidélité au judaïsme, fait sa seconde bar mitzvah. Il écrit « Cette année, j'ai fait ma seconde bar mitzvah. J'ai été appelé à la Torah et j'ai fait la drasha, le commentaire sur le même passage, c'est-à-dire Exode 30, versets 11 à 34 et 35.
Pour résumer cette partie, je dirais simplement que Michael Walzer, on le voit bien, demeure dans une fidélité remarquable qui explique, entre autres, son attachement à Israël, mais révèle surtout l'importance que le judaïsme revêt à ses yeux. Il considère par conséquent les institutions juives telles que l'histoire du peuple juif, la religion, la langue ou encore l'État d'Israël comme un héritage que tout bon juif devrait transmettre à sa progéniture. Les conséquences majeures d'un tel enracinement dans le judaïsme sont nombreuses et de plusieurs ordres. On peut souligner d'emblée, entre autres, premièrement, l'appréhension walzérienne du problème contemporain des appartenances qui est conçue à l'aune de la conception juive de l'appartenance à la communauté. Deuxièmement, l'interprétation qui est un condensé de la méthode walzérienne découle de sa fréquentation des textes sacrés du judaïsme, notamment de la Bible. Cette méthode, en peu de mots, consiste à philosopher à partir d'où nous sommes enracinés, c'est-à-dire notre communauté d'appartenance. On peut noter, troisièmement, l'ancrage du progressisme dans des sources bibliques, pour ne citer que cela. En somme, l'œuvre de ce citoyen très américain, politiquement situé à gauche, sioniste déclaré, auteur d'une trentaine d'ouvrages et de plusieurs centaines d'articles, est profondément marqué du sceau du judaïsme, ce que Walzer ne conteste pas. Dans un article intitulé « A particularism of my own », il écrit ceci. « Quand je m'exprime personnellement dans mes travaux, je le fais avec une voix juive, également américaine du XXe siècle, mâle, blanche, etc. Je parle précisément à partir de mon enracinement dans une tradition historique sur la base d'un ensemble d'expériences particulières et en relation avec des valeurs spécifiques. » Dans la même perspective, Walzer regrette le fait que la dimension juive qui est présente dans son ouvrage ne soit pas prise en compte. En effet, à l'exception de quelques rares travaux des auteurs comme Justine Lacroix, Simone Houl, Cécile Renoir ou encore Sophie Normand, la part du judaïsme dans la philosophie de ce libéral communautarien n'a pas vraiment attiré l'attention de la plupart des commentateurs de son œuvre. Pourtant, l'ensemble de ses travaux sur la justice, la morale, etc. se nourrissent aussi, je cite, des sources juives à la fois de la Bible, de la littérature rabbinique et des textes de la modernité juive. Tout cela montre à quel point Walzer entretient des relations avec le judaïsme, notamment avec les textes sacrés de la religion juive. Cette idée nous permet de nous tourner à présent, quel que temps soit peu, vers sa vie intellectuelle pour voir comment aussi cette œuvre prend racine dans les textes bibliques. Nombreux sont les ouvrages et les collectifs qui reflètent ostensiblement à tout point de vue non seulement cet enracinement dans le judaïsme, mais aussi des références aux textes de la Bible. Par exemple, les ouvrages publiés entre 1983 et 2018 comportent d'une manière ou d'une autre une référence biblique. De l'Exode à la liberté, et c'est sur la sortie d'Égypte, c'est un ouvrage publié en 1985. Un autre ouvrage, Dans l'ombre de Dieu, la Bible et la politique, paru en 2012. Le paradoxe de la libération, paru en 2015. Et à partir de 2000, des années 2000, Walzer a engagé un grand projet qui a vu l'apparition d'un grand ouvrage intitulé The Jewish Political Tradition, comportant 4 volumes. Le premier volume, l'autorité. Le deuxième volume, l'appartenance. Le troisième, la communauté. Et le quatrième, la politique dans l'histoire. Ce n'est pas encore paru. À l'apparition du premier volume de cette grande collection en 2000, ma mère, écrit Walzer, me disait que c'était mon opus gadol, c'est-à-dire mon grand ouvrage,
Cela sans doute parce que cette collection traite respectivement de l'autorité, de l'appartenance, de la communauté et de la politique dans l'histoire juive telles qu'elles apparaissent dans les textes sacrés du judaïsme, notamment dans les textes bibliques et talmudiques. Il y en a d'autres ouvrages, je vais passer sous silence. Michael Ross a dit quand même ceci qu'il faut noter. Mes contributions doivent davantage à ma fréquentation des textes bibliques. Cela est particulièrement vrai de mes écrits sur l'interprétation et la critique sociale. La thèse de mon livre, Le paradoxe de la libération, la thèse de mon livre Paradoxe de la libération sous-tend cette thèse. Enracinée dans le judaïsme, comment cet historien, spécialiste des puritains anglais, farouche défenseur du contextualisme, appréhende-t-il la Bible et les récits bibliques? J'ouvre une parenthèse pour dire que Michael Walzer n'aime pas l'expression récit lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Il préfère le mot histoire. Enraciné dans le judaïsme, ce social-démocrate qui affirme avoir assimilé pendant longtemps le judaïsme au socialisme relate dans l'ombre de Dieu sa considération de la Bible hébraïque. Pour lui, je cite, « La Bible est par-dessus tout un livre religieux, un récit des origines et du développement d'une religion radicalement nouvelle, d'un monothéisme fort et exclusiviste. » Cette religion, qu'est le judaïsme, est organisée autour des textes élaborés par une tradition particulière, la tradition du peuple juif. Ce peuple, comme d'autres, a des dirigeants et des lois, connaît des conflits internes et des guerres avec d'autres nations et se divise sur plusieurs questions, etc. L'histoire de ce peuple, ainsi que sa tradition multiséculaire, se trouve être consignée dans la Torah. Or, la Torah, d'après Jean-Christophe Athias, n'est pas seulement un livre ou un texte. Elle est aussi, dit-il, un fragment de culture matérielle qui, comme tel, est au centre des rituels, de pratiques, de comportements non nécessairement informés par une claire connaissance de son contenu ni par une maîtrise poussée de son exégèse. De cette façon, la Bible apparaît à Walzer comme un livre de livres, une histoire d'histoire, un écrit politique d'écrit politique. C'est pourquoi, dit-il, je ne lirai pas le texte de la Bible comme la parole de Dieu, mais comme celle de ses auteurs. Cela ne signifie nullement que Walzer méprise la Bible comme parole de Dieu, mais qu'il entend s'intéresser au texte écrit. On retrouve ici une catégorie dont nous avait parlé Claude, la parole écrite. Pour lui, la Bible apparaît aujourd'hui comme un puzzle à partir des travaux qui ont été faits pour démonter la Bible. Pour lui, la Bible apparaît comme un puzzle. Les éditeurs reconnaissent ainsi la possibilité. En conservant aujourd'hui le puzzle tel qu'il se présente en l'état, souligne Walzer, les éditeurs reconnaissent la possibilité d'une interprétation plurielle de la même parole reçue ou donnée dans des situations ou des contextes différents. Là se trouve, dit-il, l'origine de l'adage rabbinique qui apparaît quelque part dans le Talmud, je cite, « Ceux-ci et ceux-là sont les paroles du Dieu vivant ». Somme toute, il n'existe pas, d'après Walzer, de manière autorisée de comprendre la Bible. En témoigne la multitude des lectures religieuses, des appropriations par les prédicateurs et des analyses aussi écrasantes. Il est possible d'en critiquer et d'en rajouter beaucoup, mais il est faux, dit-il, qu'on puisse toutes les réduire à une seule et unique explication correcte. Nous tous, disait-il, nous écrivons sur ces textes, prenons part à un débat qui a cours depuis des milliers d'années
et qui n'a pas de fin en vue. Il prend cet exemple. Dans les temps futurs, annonce Zacharie, il y aura un seul Seigneur et son nom sera unique. Mais même alors, je suis certain que la parole du Seigneur ne sera pas unique. Les croyants aussi bien que les sceptiques et les incroyants se diviseront sur le sens du texte biblique et les vues politiques de ses auteurs. Michael Walzer s'oppose pour ainsi dire à une lecture traditionnelle des Écritures. Son interprétation de l'histoire de l'Exode en est un exemple. Le troisième point, je l'ai intitulé « L'interprétation balzérienne de l'histoire de l'Exode ». Vous comprendrez pourquoi. L'histoire de l'Exode, que la plupart des Juifs considèrent comme l'événement fondateur de leur peuple, aura été le point de départ, nous l'avons dit, des réflexions qui hissent aujourd'hui Walzer au rang de grands penseurs contemporains. Pour nous cantonner au sujet qui nous intéresse à présent, c'est-à-dire la lecture balzérienne de l'Exode, il faut souligner qu'en 1985, Walzer publiait son interprétation de l'histoire de l'Exode intitulée « De l'Exode à la liberté » et c'est sur la sortie d'Égypte. Dès les premières pages, il écrit ceci. Je ne méprise pas sa signification sacrée. Je veux seulement en explorer la signification profane. Ainsi, l'objet de mon étude, précise-t-il, n'est pas ce que Dieu a fait, mais ce que des hommes et des femmes ont fait du texte biblique d'abord, puis ce qu'ils ont fait dans le monde muni de ce texte. Dans cet ouvrage, Walzer analyse l'événement de la sortie d'Égypte, considéré comme l'expérience fondatrice de leur nation, sous le double paradigme du particulier et de l'universel. D'après Pierre Dinbaum, Walzer semble obsédé par ce thème de l'Exode et ce depuis l'époque de sa première bar mitzvah. En effet, en 1948, ouvre, comme on le sait, une ère nouvelle dans l'histoire contemporaine de la diaspora juive avec la création de l'État d'Israël. Cette année 1948 a une résonance particulière dans la vie de Michael Walzer. C'était l'année de sa première bar mitzvah. Tout commence par la résistance du jeune Walzer à proclamer solennellement, pendant la cérémonie de sa bar mitzvah, le passage de Kitisha, Exode 30, 11, à 34-35. Le passage qui raconte l'histoire du veau d'or dans le livre de l'Exode était le texte qu'il devrait proclamer. La cérémonie de la bar mitzvah comporte en gros trois étapes. Il s'agit d'abord d'étudier pendant plusieurs semaines un texte biblique choisi par le rabbin, de le proclamer solennellement ensuite le jour de la cérémonie à la synagogue en présence des fidèles et de donner enfin un commentaire. Non seulement Walzer va résister à proclamer ce passage de l'Exode, il va en donner une interprétation qui s'écarte des lectures couramment admises. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui justifie cette résistance du jeune Walzer. C'est la cruauté de Moïse, dit-il, vis-à-vis des idolâtres. Pour comprendre de quoi il s'agit un peu, un rappel de l'Exode, de l'épisode du veau d'or, paraît nécessaire. D'après le récit, le peuple éprouvé par l'absence de Moïse parti à la rencontre de Dieu dans la montagne, s'était fabriqué, avec l'autorisation et la bénédiction d'Aaron, frère de Moïse, un dieu à métal fondu, puis l'adorait. En descendant de la montagne, Moïse fut consterné par cette infidélité à Yahvé, se traduisant dans l'idolâtrie et Dieu avec lui. C'est alors que Moïse vint à la porte du camp et dit « À moi les partisans du Seigneur !» Et tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Et Moïse dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu, que chacun de vous s'arme de son glaive, passez, repassez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. »
Ceux et celles qui ont été tués sur l'ordre de Moïse, qui sont-ils et pourquoi? Il apparaît pour le moins que ceux et celles qui se sont repentis, qui sont revenus à Moïse, eux seuls ont eu la vie sauve. Et le texte dit en effet que c'étaient les fils de Lévi. Moïse, on le sait, appartenait à la tribu de Lévi. Serait-il faux de conclure que seuls avaient péri ceux qui n'étaient pas fils de Lévi, c'est-à-dire les non-israélites? Au regard de ce passage où Moïse demande à ce que chacun tue son frère, son ami, son parent, son voisin, j'étais troublé alors, écrit Walzer, comme de plus savants lecteurs l'avaient été avant moi, par l'ordre de Moïse de tuer les idolâtres. Je me rangeais à l'opinion de Hobbes et dans mes discussions avec mon maître, je m'élevais contre la cruauté de Moïse qui avait fait passer tant de milliers d'hommes au fil de l'épée. C'est alors que j'ai dit au rabbin que je ne voulais pas lire ce passage. On en a débattu pendant quelques semaines et j'ai finalement bien lu l'ensemble du passage, ce qui prouve peut-être que j'allais grandir comme menshevik et non comme bolchevik. Ce qui choque la sensibilité de ce jeune croyant Michael Walzer et provoque sa réticence, on l'aura compris, ce n'est paradoxalement pas l'idolâtrie, mais plutôt, je cite, la purge des idolâtres, ou si l'on veut, des minorités religieuses au nom d'une quelconque religion de la majorité. Walzer rejette, pour ainsi dire, la vision unique et unitaire du culte. En effet, vouloir imposer un culte à une identité autre que la sienne, c'est nier la différence de l'autre. La religion doit consister en un choix libre et impliquer la tolérance, dira-t-il. C'est pourquoi la coexistence des minorités doit rendre possible la tolérance et inversement. Walzer rejoint sur ce point, d'une certaine manière, John Locke. Cette réticence était le signe, je l'ai déjà dit. D'après Walzer lui-même, l'étude de ce passage a été une lecture fondamentale pour lui. Cette histoire symbolise à ses yeux le modèle de la politique révolutionnaire. Elle aura permis à Walzer de mettre en exergue le pluralisme inhérent à la Bible hébraïque. Par pluralisme, il faut entendre ici le pluralisme des interprétations de la même parole de Dieu, des valeurs censées régir le vivre ensemble du peuple élu, ou encore la pluralité des expériences de libération. Ce dernier aspect aura inspiré particulièrement la notion de réitération, qui est l'un des concepts fondamentaux de la philosophie walzérienne. Ici encore, Walzer, on le voit, plaide en faveur d'une lecture intégrale, plurielle et continuelle de la Bible qui, dit-il, a toujours été de manière, qui toujours a été lue de manière sélective. Il montre, par exemple, que le peuple d'Israël n'est pas l'unique peuple que Yahvé aurait sauvé de l'oppression en Égypte. Il cite à ce propos un passage du prophète Amos. Je le cite. « J'ai tiré Israël de l'Égypte, mais n'ai-je pas tiré aussi les Philistins de la Cappadoce et les Syriens de Cyrène ?» Pour Amos, comme pour Walzer, et même pour la théologie chrétienne, Israël n'est pas l'unique peuple sauvé. Il n'est pas l'unique peuple élu. C'est ainsi que Walzer tire la conclusion selon laquelle l'Exode a une dimension universelle, réitérative, se reproduisant en accord avec les multiples histoires locales. J'essaie de conclure. En définitive, nous retiendrons que cet enracinement dans le judaïsme et cette interaction entre philosophie et Bible hébraïque chez Walzer ont une conséquence heureuse, à savoir une philosophie marquée par la religion
et une religion ouverte à l'approche philosophique. En effet, la philosophie est mise au service de la lecture des textes sacrés et la référence aux textes bibliques est mise au service de son projet philosophique. Cette double modalité d'articulation a des implications importantes aussi bien pour la pensée juive que pour la philosophie. Du côté de la philosophie, du côté de la pensée juive, elle ouvre la voie d'un renouvellement de l'interprétation des sources bibliques. Elle ne remplace pas, il convient de le préciser, la lecture traditionnelle des textes, mais enrichit cette lecture par la mise à jour de nouvelles perspectives d'interprétation. Pour le dire autrement, Walzer fait résonner autrement le texte biblique et ce faisant initie une nouvelle forme de rapport au texte qui fait école, comme c'est le cas du texte de l'Exode qui a été commenté et recommenté à plusieurs reprises. Walzer opère en ce sens, comme Lévinas avant lui, de façon originale, une rencontre entre la pensée juive et la philosophie. Walzer, d'une certaine manière, semble s'inscrire dans la logique de l'école juive de Paris. D'un côté, en proposant un commentaire philosophique autre du livre de l'Exode, des alliances bibliques ou encore des codes de la loi, Walzer cherche à éviter le fondamentalisme, l'intégrisme ou encore le radicalisme religieux. D'un autre côté, en investissant le texte biblique, Walzer montre comment la philosophie et la modernité peuvent encore se nourrir des sources bibliques. Walzer peut alors écrire ceci. L'étude de l'histoire de l'Exode m'a fait découvrir avec émerveillement que de nos jours encore, cette histoire fait partie de notre culture commune. Chacune en a peut-être sa propre version, mais c'est une histoire que nous avons tous en commun. Voilà en gros ce que j'avais à partager avec vous.